Bienvenue à la capsule TIC numéro 1, utilisation de Google Drive pour permettre l'outil de synthèse vocale WordQ avec des documents en format PDF. Donc, comme vous le savez, puisqu'il n'est pas possible de sélectionner du texte avec l'outil de sélection dans un format PDF, ben, il est impossible à ce moment-là d'utiliser la synthèse vocale WordQ. Alors, aujourd'hui, je vous montre comment un petit peu contourner le problème par Google Drive. Donc, on va aller chercher Google Drive. Alors, vous devez tout d'abord vous créer un compte Google Drive. Là, j'ai des procéduriers, si vous pouvez m'écrire tout simplement pour avoir ça. Mais une fois que vous êtes sur Google Drive, vous vous retrouvez dans cette interface-ci. Moi, je trouve ça plus facile pour ce que je veux vous démontrer d'aller dans l'ancienne interface. Donc, je vous montre comment. Roue d'engrenage paramètres ici. Et on peut dire revenir à l'ancienne interface de disque. En faisant ça, vous allez vous retrouver avec ceci, donc créer et téléverser. Et c'est ce que je souhaite avoir. Donc, moi, je me suis fait là ici un dossier capsule WordQ. Alors, je viendrai téléverser. Donc, je peux cliquer ici sur téléverser. Et je veux téléverser un fichier. Alors, c'est super facile lorsque c'est un fichier déjà un PDF là, avec un format texte, mettons un Word qui aurait été passé en PDF. C'est extrêmement facile, ça lit vraiment bien. Je voudrais vous montrer deux façons différentes. Donc, ici, j'ai pris Test WordQ. Je suis allée, dans le fond, à l'imprimante. J'ai pris un roman. J'ai fait une photocopie, en fait, une numérisation que je me suis envoyée par courriel. Et c'est ça que j'ai enregistré sur mon bureau d'ordinateur. Maintenant, ce que je veux faire, c'est le passer dans la version Google Disk, Google Drive, de façon à récupérer ces données-là en texte et puis de pouvoir utiliser la synthèse. Donc, quand je fais téléverser, on me propose des paramètres de téléversement ici. Et ce que je dois faire, c'est cocher, m'assurer que c'est coché ici, convertir le texte de fichier ou image PDF au format Google Documents. Alors, c'est ça que ça va faire, prendre mon PDF puis le mettre en Google Documents. Et la langue du document, bien, ça devrait être en français. Okay? Et conserver le crochet, confirmer les paramètres avant chaque téléversement, ça vous permet de faire ces choix-là à chaque fois. Donc, je fais juste démarrer le téléversement. Alors, on voit ici que c'est en train de se téléverser. Alors, je vous rappelle que ce que j'ai fait dans le fond, c'est que j'ai été chercher, vous voyez, il apparaît ici, j'ai été chercher j'ai pris un roman, j'ai mis sur le photocopieur et j'en ai fait une copie PDF. Donc, si j'ouvre cette copie-ci maintenant, vous allez voir que on a le format original. Vous voyez, c'est vraiment comme une copie là, que j'ai fait. J'ai fait une numérisation au photocopieur. Mais Google Drive, pas je me mélange. Google Drive, lui, vient m'extraire le texte ici en Word. Alors, je peux venir sélectionner cette portion-là maintenant. Et bon, c'est sûr que si j'ouvrais WordQ, ce serait préférable. Alors, je reviens dans mon document. Alors, maintenant que j'ai sélectionné, ben, je pourrais faire lire. Et voilà. Alors, je pourrais lire le texte. J'ai essayé avec une collègue cette semaine avec un autre document. On avait pris un manuel d'exercice dans lequel il y avait quand même beaucoup de mises en page. Le texte était en haut à gauche, des fois en bas, dans des encadrés. J'avoue que le résultat était beaucoup moins heureux. Mais quand c'est vraiment là, essentiellement du texte, ben, on voit que ça fonctionne assez bien. Donc, c'est sûr que c'est pas un remède miracle, mais quand même, ça peut être intéressant là, de procéder de cette façon-ci. Alors, je vous montre une autre façon. Je suis allée chercher même un roman ou un mini-album directement d'Internet. Je l'ai téléchargé en format PDF. Donc, on va voir ce que ça donne. Alors, si je fais téléverser, même chose. Donc, téléverser un fichier. Alors, je tombe sur mon bureau d'ordinateur où j'ai enregistré ce deuxième test. Donc, ici, c'était vraiment un document PDF. Je demande toujours cocher « Convertir le texte de fichier, image ou PDF au format Google Documents ». Ça demeure. Je garde français et je démarre le téléversement. Alors, il faut attendre un petit moment. Alors, ici, on a test 2 que je vais aller vous montrer. Alors, vous voyez, c'était un document dans lequel il y avait des images. Je vais laisser le temps de... Bon. Alors, vous voyez, c'était comme vraiment des images comme ça. Et là, ben Google Drive va m'extraire du texte. Donc, là, ici, il extrait seulement que cette partie-ci.
Restons bons copains, on le voit ici, ça pourrait être lu facilement. Ce que je veux vous montrer, bon, c'est sûr que des fois, la calligraphie est très grande. Là, c'est sûr qu'il faudrait que l'enseignant vienne peut-être chercher ça ici. Oups. Alors, chercher une portion du texte comme ça, puis venir réduire la police. On pourrait venir réduire la police de caractère pour que ça soit plus facile à lire tout ça, mais ça fonctionne bien. Moi, ce que je voulais vous porter à votre attention, c'est ça ici. J'ai le petit carré qui est là, c'est un peu fatigant. Mais vous voyez que la phrase, en fait, on lit de gauche à droite. Donc, si elle a pensé que ma tortue avait besoin de plus d'exercice, aurait dû être lue en premier. Par contre, on voit que ça a été lu en deuxième parce que Google Drive, lui, lit de haut en bas. Donc, il a pris la première phrase avant, en fait, il a pris la deuxième phrase avant la première. Donc, l'enseignant pourrait tout simplement venir choisir la deuxième et la reglisser à la place de la première. Donc, étant donné que c'est du texte et que je peux le lire, ben, je peux aussi le déplacer, l'organiser, restructurer, changer la police de caractère. Bon, c'est sûr qu'il n'y a pas énormément de choix, mais tout de même, ça peut être aidant, ça aussi. Donc, voici là une petite astuce, j'avoue, qui demeure imparfaite, c'est vrai, mais qui va peut-être vous sauver quand même quelques maux de tête. Alors, à la prochaine!